Welcome back, guys! Je viens juste de me gear up pour recommencer à faire des vidéos. So, I thought I would do a little bit of an unboxing... Throwback to that video. Parce que c'est mon deuxième vidéo le plus watch on my channel. You already know what we're doing today. I'm sorry, excited. C'est un MacBook Pro 2021. C'est un 13 pouces, 256 gigs. C'est genre le gris cosmique, là, whatever. I also got a tripod. En ce moment, je filme sur la caméra que mon chum m'a donnée pour ma fête. C'est genre une caméra temporaire pour que je puisse au moins genre vlogger un petit peu en attendant que je me rachète la G7X. Ah, c'est vraiment un Gorilla Stand. Là, ouais, ça ressemble vraiment. Puis je me suis acheté aussi un outer USB port parce que y a plein de plugs parce que seulement qu'il y en a pas. USB-C. So, micro SD. SD. Tout ça. Ben, plein de shit, là. Ah! Oh! And look, there is somebody. You want to say hi to the camera? Viens, Toto. C'est Sophie. Sophie. I love her. I'll be right back. C'est mieux si... Elle est set up. We've got something going on. Alright. Juste pour du contexte, on est maintenant le 11 juillet. On a passé au feu le 16 avril. Donc, ça fait 3 mois presque que j'ai pas fait de vidéo. And I missed it so much. Fait que j'étais comme... I've been working like a freaking dog, so I deserve this. Brand new. Peel. Oh my god, let's do the peel. Oof. Oh, oh, oh. Holy dog. What's going to film? Wait, sure. Okay, okay, let's go. To use English as the main language, press the return key. Once again when we are all set. Fait que ça fait environ une heure. Je suis en train de downloader Final Cut Pro sur mon ordi pour que je puisse être all set up pour pouvoir éditer des vidéos. On dirait que je sais plus comment vlogger, c'est vraiment bizarre, mais je voulais en profiter en attendant que ça download pour vous expliquer what went down in the last 3 months parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Dans le fond, mon dernier vidéo, c'était, je pense, le lendemain qu'on avait passé au feu ou la journée même. Je suis vraiment plus certaine, c'est all blurry in my mind. Dans le fond, je pense que je vais faire une vidéo séparée pour vous expliquer comment que ça s'est passé quand que c'est arrivé. Mais là, je vais vous expliquer un peu notre vie à l'heure de quoi depuis que c'est arrivé. Moi, j'étais encore à l'école, mon chum travaille encore, fait que sa situation est quand même assez similaire. Moi, j'ai terminé l'école un mois après. J'ai terminé fin mai l'école, puis j'ai commencé un autre travail, fait que j'ai deux jobs maintenant. J'ai encore Canadian Tire comme que... j'avais pendant mon école puis toute l'année qui vient de passer. J'étais pas tente de me claquer un temps plein au Canadian Tire cet été parce que ça joue beaucoup sur ma santé mentale, cette job-là. Fait que j'ai gardé ma job-là, fait que je fais la moitié de mon temps plein-là. Puis dans le fond, je me suis trouvé un autre job qui est au cosmétique chez Pharmaprix. Fait que je suis vraiment contente, c'est vraiment plus dans mon domaine. J'ai déjà travaillé au Pharmaprix dans les cosmétiques à Montréal, par exemple. Ça a pris quelques jours, puis j'étais déjà dans le beat, fait que j'adore ça. Sauf que c'est l'été, puis je me repose pas vraiment, which is, j'aurais dû expect, là. I'm an adult, I have to work. Même si j'étais encore à l'école, je travaille beaucoup. Genre, les 6 jours semaine sont très normales, puis ils viennent très souvent. Fait que je travaille environ 5 à 6 jours semaine.
en général. Je partage mes heures entre le Canadian Tire puis le Pharmaprix. Fait que c'est ça qui est nouveau. J'ai un nouvel job. On est encore chez mes parents. On est en train de se magasiner une maison mobile, ce qui est très excitant. On était assurés parce que je sais que c'est vraiment pas quelque chose qui est courant quand on est en appartement. Si vous êtes pas assuré puis que vous êtes en appartement, s'il vous plaît, assurez-vous. Le bloc est perte totale. Il y a plus rien. Là, c'est même plus un chantier, ils ont tout ramassé, c'est rendu du sable. On a une couple de meubles dans le garage ici. Il y a beaucoup de gens qui nous ont donné des affaires. Je suis tellement reconnaissante. Des trucs de cuisine, de la bouffe, du linge, name it là. J'aurais jamais cru vraiment dans une petite ville comme ça que les gens soient si serrés comme que c'était, mais je pense que si on n'avait pas été ici à cette île, ça aurait été complètement différent. Mais les jours après, là, les gens venaient chez nous non-stop porter des trucs pour nous aider à nous remettre sur pied. Les gens sont tellement généreux puis tellement attentionnés, on est tellement reconnaissants. Là. Ce qui est de nos minous, en fait, on vit un deuil, c'est une journée à la fois. On a moins de peine qu'on avait au début, mais on pense à eux quand même tous les jours, puis ça reste nos petits bébés, nos premiers petits bébés, puis notre première maison, puis tout ça. On se remet sur pied tranquillement, pas vite. Pour ceux qui ont déjà vécu une situation similaire à moi, que ce soit n'importe quoi, ou est-ce que tu perds des trucs sentimentaux, on sait pas à quel point les objets qu'on a, on a un attachement sentimental envers ceux-là. C'est vraiment bizarre à dire. Puis j'aurais jamais pensé que j'aurais été quelqu'un comme ça. On a attendu d'avoir assez d'argent. On a travaillé fort pour avoir tout ce qu'il y avait dans cette maison-là. Tu sais, on était deux ados, jeunes adultes de 20 ans qui se startaient dans la vie. Genre, je sais pas, d'aller à n'importe quoi, notre cafetière, notre milk frother. Genre, c'est tous des trucs qui ont une histoire. Genre, tu sais, notre milk frother, c'était à notre first anniversary, genre one year anniversary, on avait dit ok, on fait rien de trop extravagant, on n'avait pas beaucoup de sous, puis on était comme bon, on est un peu serré, on n'a pas vraiment envie de rien faire, on va juste comme se mettre un film puis manger des cochonneries, mais on va s'acheter un cadeau pour la maison ensemble, fait qu'on savait acheter un milk frother, ça faisait des mois qu'on en parlait, puis on était comme ouais, c'est une dépense un peu pas inutile mais luxueuse, tu sais, c'est toutes des trucs qui ont une histoire. Mes bijoux, j'ai plus rien, mon maquillage. C'est juste vraiment bizarre comme processus. C'est dur à process all of this. Puis je me rappelle quelques mois avant mon arrêt de 3 mois là, j'avais fait une vidéo qui disait que je strugglais vraiment avec mon mental health, puis que je voulais vraiment rencontrer un thérapeute ou quelque chose pour pouvoir parler puis tout ça. Puis heureusement que cette situation-là a fait que je puisse avoir quelqu'un comme ça, parce que c'est quand même un événement assez traumatisant, puis la Croix-Rouge envoyait des intervenants, puis des travailleurs sociaux si on voulait parler. Ça a fait que je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup qui voulaient parler à des gens. Puis moi, ça fait que j'ai pu me trouver quelqu'un à qui parler. Et qu'en ce moment, j'ai une intervenante slash éducatrice slash thérapeute slash whatever. Fait que je vois quelqu'un chaque semaine, ce qui est tellement bénéfique pour moi parce que I was struggling a lot. Fait que c'est ça qui est ça pour l'instant. Si vous avez des questions pour moi sur le sujet, vous pouvez les commenter ou m'envoyer un DM, whatever you want. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alright, on vient de finir de souper. Il est 8h, on mange à l'heure des riches. On s'en va écouter le deuxième hit. Ça vient de sortir sur Netflix, so... Ready to watch a movie? Oh oui. Hi. Good morning. On est le lendemain matin. Je m'en vais me faire parler ici. Just be looking good. Je prends la route pour m'en aller. Il est midi 40.
got the goods. J'arrive de l'épicerie. Il est 1h44. Fait que je pense que je vais aller chez nous, me mettre en bikini puis me faire bronzer. Cause I deserve it. So, I'll see you then. I'm back home. Je vais faire un petit grocery haul. You already know. Tu viens-tu pour le grocery haul? You wanna see it or not? Oui. Un petit chopped salad kit. Bell peppers. Des fraises de l'Ontario. Que j'ai échappé à terre à l'épicerie, but we won't say it. Littéralement, le gars qui travaillait là, il était à côté de moi. Je sais pas pour genre les remettre là. Des patates douces. Des épinards. Ouais. Du Starbucks Cold Brew. Noir. J'ai pris une bavette pour soir. L'homme ici. Agrumes, spicy citrus and lemon. Du red pepper hummus. Du vegan creamer. Des bagel pens. Gluten free. Des avocados. Des broccoli. Un cocon anglais. Oh. Ouais. Je veux les cantaloupes. Puis un mélange avec melon miel, cantaloupe, puis ananas. Une caisse de Montpellier. C'est ça. J'ai voulu aller me crisser en bikini puis me faire bronzer. Ben là, tu peux. Ben je sais, mais c'est que c'est tout du frigo. Ouais. Et t'as ma fille! I've got my coffee. Qui c'est que t'as pas dit ça? I don't know. Il est maintenant 5h35. Puis on vient de finir de souper. On a mangé des restants. J'ai pris ma douche aussi, so I feel so much better. Puis je suis en train d'écouter des vlogs. Pour vrai, depuis que les Canadiens sont allés en série, I'm obsessed with hockey. C'est tellement pas mon genre. Je comprends pas ce qui se passe, mais c'est tellement intéressant quand tu prends le temps d'écouter puis de comprendre. Genre, c'est comme. Puis comme j'ai jamais vraiment remarqué, mais c'est vraiment un sport violent. Which I kinda like. Fait que, genre, je sais pas, j'écoute plein de vidéos de genre best NHL goals ou genre. Worst medical attention, genre, whatever, là. Plein de compilations parce que hockey is off season, fait que pendant tout l'été il n'y aura pas de hockey, fait que je fais juste comme écouter des compilations sur YouTube. C'est vraiment nice à regarder, genre. J'ai commencé à écouter pendant les séries, j'ai brûlé mon toupette tantôt, j'ai aucune idée comment. J'ai commencé à écouter parce que les Canadiens étaient en finale. Ouais, c'est ça, j'ai commencé la première game des finales, ou genre la game avant ça, en tout cas, whatever. Je pensais que j'aimais pas ça, fait que j'étais comme sur mon sel, puis là la game a joué, genre mon père, mon chum, il l'écoutait, puis là, moi j'étais genre sur mon sel, puis là je me suis mis à regarder puis j'étais comme oui, c'est quand même intéressant. J'ai écouté le reste des games. Obviously ils ont pas gagné, mais au moins ils se sont rendus en finale, so that's hopeful for next year. Ça va probablement être ça ma soirée, parce que demain je travaille à 8h, fait que je me couche trop tard, fait que c'est ça pour l'instant. If there's anything else interesting, I'll let you know for sure. I'm not going to bed.